Ichiwa Minasan, c'est Mémoires de Légende et bienvenue dans l'épisode 12 à la recherche du phénix, partie 2. Ça y est, j'ai enfin trouvé un titre. Je suis vraiment content de vous retrouver après tout ce moment d'absence. On va bien évidemment, sans plus attendre, terminer cette saga Keshenmu. Hein. Je ne me suis pas arrêté en si bon chemin. D'ailleurs, je ne comptais pas m'arrêter tout simplement, mais bon, sans plus attendre, on va aller continuer tout de suite. Donc rappelez-vous, on avait retrouvé... notre grand-mère plutôt, Inesan, nous avait envoyé un message comme quoi Iwa Watsuki, donc le père de Ryo, nous avait laissé un petit médaillon, l'empreinte des Azuki, à l'âge de ses 18 ans, qu'il devait justement récupérer, qui est transmis de génération en génération. Et du coup, ce petit truc va peut-être nous permettre de récupérer ce médaillon qu'on cherche, le médaillon du phénix. Donc là, nous avons une cinématique en plus. Ah, mais c'est Oh. C'est le fils de Chen. No way! You're working with Landy? If I was... Why, you... Ce qu'on va peut-être faire la prochaine fois quand on aura un combat, c'est que je vais rebasculer de la manette au joystick, comme ça vraiment on aura les... on aura vraiment pas l'envie, mais on aura vraiment la sensation d'avoir un vrai jeu de combat, du coup, puisque c'est vraiment bien mélangé. Alors on s'attend pas du tout à gagner, je pense. Tiens, je suis en train de me faire démolir. Hop. Ah bah, en plus il n'y avait pas de vainqueur à tous les coups. If I continue, then I'll fail as your bodyguard. A bodyguard? Father told me to guard you. What? Calm down. If you don't live, it'll be a problem for us. What you mean? You still don't realize your role, do you? If Landi gets that mirror, no one can stop him. Hurry and find that mirror. Before they suspect anything. Landi-sama, the Phoenix Mirror? Allez, bah du coup, sans plus attendre, on va aller tout de suite aller chercher ce miroir, le phénix miroir, enfin le miroir du phénix plutôt, hein. Peu importe le sens dans lequel on le dit, mais on va aller le chercher sur le champ. Peut-être un autre épisode va arriver, peut-être une troisième partie, dirais-je, pour retrouver ce miroir. On va essayer de faire ça le plus vite possible. Comme ça, on entamera directement le troisième et dernier CD. Ah. Qu'est-ce qu'il a, le petit chat? Ah, mais c'est Megumi. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait cette série. Hi, Megumi. Hi, Udo. Look, Udo, she's licking her fur. She's grooming herself. What's grooming? That means she is cleaning herself by licking her fur. I see. Ah, rien de plus banal. Enfin, juste sa petite toilette. Donc allez. Allez, on va aller chercher tout de suite ce phénix. Alors, je suis vraiment vraiment content de pouvoir vous retrouver. Ça faisait vraiment un bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. D'ailleurs, je vous annonce qu'au mois de mai, j'aurai l'occasion d'aller sur Paris pour un petit moment un peu privé, on va dire. Un membre de ma famille va se marier, donc ça sera aussi l'occasion d'un autre côté de pouvoir revoir des amis et pouvoir faire des reportages. D'ailleurs, le prochain reportage qui est encore en montage, c'est vrai que j'ai laissé un peu en stand-by, ça sera sur la société 3D Duo que j'avais interviewé en septembre dernier et qui était donc du coup sur le jeu Epicloon, qui va bientôt sortir et qu'on fera une vidéo ensemble. Let's see, it's a sword handguard. Yeah, it was my father's. It's a part of my inheritance. I see.
Have you seen this before? Like this design? It might be a family crest. Have you asked Ine-san? No, not yet. Well, you should ask her. You're right. I think she's in the altar room. Thanks. Bon allez, on va du coup aller voir... Ah bah c'est bon. On va aller voir directement Ine-san, savoir exactement de quoi il s'agit. Alors, où est-elle ? Ine-san, est-ce qu'elle est dans la cuisine ? Non, non, Altar, ça doit être dans une chambre ou quelque chose comme ça. Alors, Ine-san, où elle est ? Donc là, elle n'est pas ici. Est-ce qu'elle est de l'autre côté ? À vérifier. This was at the antique shop. A sword handguard. Ine-san, do you know anything about this? The snow ring, the two stars, and a sword. That's the Hazuki family crest. And that mirror you're looking for, I wonder if there's a connection. Maybe your father left us a clue. Snow ring, two stars, one sword. Thanks. On n'est pas réellement avancé sur la définition du de la pièce maître en question. Donc ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va aller directement aller... on va regarder la note. Tiens, il y a peut-être quelque chose qui va nous avancer là-dessus. Alors, Snow Rings, non, ça c'est ce que nous venons de voir. Page vide. Ouais, après c'est l'histoire du médaillon. Alors est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dans la chambre? On va aller voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose? Non. Non, rien de tout ça. Moi, je veux regarder dans les tiroirs si je peux pas trouver quelque chose assez intéressant. Bon, mis à part des stylos et des calculettes, on va pas aller bien loin. Est-ce qu'il y a pas quelque chose qui pourrait être important du coup? Enfin, plutôt nous avancer à propos de la quête. Non, il y a strictement rien à part des bouquins. Est-ce qu'il y a pas quelque chose dans l'armoire justement, l'armoire de l'entrée? Peut-être pouvoir voyons voir. Alors, on va ouvrir ça. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? C'est des bottes de... Ouais, c'est des bottes de campagne ou de pêche, je sais pas ce que c'est, mais bon, ça va pas nous servir à grand-chose. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, c'est quoi? C'est des baskets. Ouais. Bah, strictement rien qui va pouvoir nous être utile. Et à côté, là. Dans le petite boîte, non, je veux pas téléphoner ici. Ici, il y a peut-être quelque chose. Ah, une lampe, bah ça pourrait peut-être nous servir. Voilà. Ça pourrait nous servir quoi qu'il arrive. Et est-ce que de l'autre côté, on peut ouvrir cette boîte? Non, on peut pas. Non, moi je veux pas téléphoner, je vais ouvrir. Voilà. Non, il y a... Oh, ça a l'air de ressembler au bottin téléphonique qu'on a en France. Donc du coup, on va aller dans le dojo juste à côté. Yards, je sais même plus si c'était le jardin du coup. Là je pense qu'il y a une petite dizaine de minutes qui se sont écoulées, on va faire un test de 15 minutes. Si vraiment jamais le médaillon n'est pas retrouvé dans les 15 minutes, on passera à la deuxième partie je pense. Donc on va aller directement s'y rendre. Voilà.
Alors. Alors, où est-ce qu'il pourrait... The Eight Principles of Yin and Yang. Bon, ça c'est une devise ou un message. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Ah, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça serait pas une... un rangement d'épée des fois? It won't open. It seems to be locked. Ah, donc il faudrait la clé. Est-ce que la clé est dans le coin? Qu'est-ce que dit la note? I found a locked box in the dojo. Ah, je crois savoir où est la clé. Ça y est, je m'en rappelle. Alors ouais, je pense qu'on va faire ça en deux parties du coup. Donc on va retourner. On va retourner dans le dojo. Enfin, on va retourner dans le dans la maison principale. Et on va aller rechercher la clé. Donc ça y est, je me souviens, je pense que cette clé renferme une sorte de sabre, une épée ou une un sabre ou une épée. Et je pense que c'est peut-être ça qui va nous permettre d'aller rechercher le médaillon. Ça y est, je me rappelle. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait cet épisode. Alors, une petite chose que je voulais aussi vous imposer, c'est que quand Shenmue 1 sera fini, on va mettre en stand-by la saga, une fois de plus, mais on se retrouvera à la rentrée, donc septembre 2017, ou peut-être un petit peu avant, on verra bien, sur Shenmue 2. Comme ça, on pourra on pourra passer directement sur la suite, donc Shenmue 3, qui, je vous rappelle, doit sortir normalement en décembre 2017, si tout va bien. Donc on va demander à Ine-san. Quelque chose. Yo-san, also, do make more of an effort. I will try my best. See you later. Bon, yes. Pas réellement nous aider. Donc il faudrait essayer de retrouver cette clé. Ah, est-ce qu'elle est dans la chambre de Iwao? On va voir ça tout de suite. J'ai peut-être un... On va voir ça. Alors. C'est peut-être dans les tiroirs. On va allumer la lampe. Voilà. Alors, peut-être dans ce tiroir. Ah, est-ce que cette boîte renfermait cette clé? Voyons voir ce qu'il y a dedans. Ouais, bah voilà. This? Je pense que c'est cette clé qui va me permettre d'ouvrir cette boîte. Maybe this key will open that box. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir y retourner. Et du coup, on va sortir d'ici et on va se retrouver sur le prochain épisode du coup. Donc on va faire ça juste avant. Ouais, maintenant qu'on a trouvé, on ferme la boîte et on range. Et on referme l'étagère plutôt. Enfin le tiroir. Et ben du coup, on va s'arrêter en bon chemin sur ce 12e épisode. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ce qui me fera énormément plaisir. Lâcher un petit comme, ça fera toujours plaisir. D'ailleurs, ravi de pouvoir vous y répondre après ces tant semaines d'absence. On se retrouve pour le 13e épisode de Shenmue, à la recherche du Phénix, partie 3. Sayonara Tomodachi! Wait the fucking dog and fucking ass killing bitches in a class. Going to school, shooting.